Amis téléspectateurs HPM, bonsoir. Voix PAM, c'est Lalanne Fritz depuis Port-au-Prince, qui va l'informer de toute actualité cap dominé territoire national, pays d'Haïti. Jeudi à ce 18 octobre 2021, 18 octobre qui est un jour qui est très mal passé en Haïti face à phénomène d'insécurité mélangé avec crise politique. Tombé dans la question de rareté gaz, pourtant, tout réservoir ni station d'essence gain gaz, ça qui t'a poussé. Syndicats ont lancé une grève manche longue. Point nous pral développer dans l'actualité, autre que grève, c'est question 17 ressortissants étrangers qui en bas main, base 400 Marozo, dirigé par Lamo Sanjo. Et point qui pral discuter et présenter dans l'émission pour HPM, journée 18 octobre 2021, c'est l'État qui semblait enterré jour 17 octobre 2021 dans Delma 2, côté PM Ariel Henry, campé à garder Pont Rouge. Il va pas mettre point de pied devant Pont Rouge. Même Jean. Moïse est sanctionné pour le Ouente Canal pour le palpiler. Une fois encore, nous dit bonsoir à PDG Abner. C'est un plaisir, avec un privilège. La nature avec grand Dieu Tout-Puissant et accordez-nous. Pour nous encore vivants, pour présenter pour téléspectateurs HPM, actualité, on a bon gentil mamite. Sous sa capacité sur le territoire national pays d'Haïti. Les États-Unis d'Amérique, je dis à, c'est tout pâle dans la question moun ressortissant cap victime en Haïti sous question de enlèvement. Après tour République dominicaine, la France et pays Italie, c'est tout pas. Les États-Unis et pays Canada, en bas même M. Baz 400 Marozoyo, dirigé par Lamo Sanjo. Lamo Sanjo qui t'a enlevé samedi 16 octobre 2021, 17 étrangers, parmi eux 15, 16 Américains et yon Canadien. Mais il y a l'autre information qui t'a avancé de 5 ressortissants français. Mais en quel détail, pas bail, si information véridique n'est pas confirmée. Depuis le 16 octobre 2021, en pile information, tapsillonné, t'es longé d'ouette sous base 400 Marozo, qui vaut que j'aime revendiquer enlèvement 17 ressortissants américains et canadiens. Département d'État américain, t'es entré en pour parler avec monsieur qui fait enlèvement yo et on était même arrivé ba yo droit pour yo te tendre yon otage qui était dans main base là. Maison Blanche bon côté parle en bas bouche porte-parole Maison Blanche. Maison Blanche dit li prend au sérieux attaque enlèvement qui fait sous 16 américains yo. Depuis dimanche 17 octobre 2021, FBI déjà sous sol pays d'Haïti pour venir enquêter et joindre trace côté otage ta retranché yo à travers commune arrondissement Croix des Bouquets qui gen sous l'obédience li 5 communes. Yon député dans Congrès américain, il déclarait que les États-Unis pas ta droit payer rançon pour capable de libération otage. Là, le plus loin pour dénoncer, pour demander une intervention musclée l'armée américaine. Base 400 Marozo, dirigée par Lamo Sanjo, revendiquait enlèvement 17 étrangers yo, et yo exigé pour libération chaque grain étranger. 1 million de dollars américains
ça qui t'a bailli 17 millions de dollars qui t'a dû partager entre les États-Unis d'Amérique avec pays Canada. Si M. Baz 400 Marozo, yo, yo pas n'en perdu temps. FBI déjà souterrain, yo pas ta souhaité en ken rançon bay sous question. Jeudi 18 octobre 2021, Baz 400 Marozo de l'Amour sans jour, bay pris chaque ressortissant. États-Unis pral payer yo chaque 1 million de dollars. Il semblait que ce n'est pas le même mouvement lorsque la période PEPADEP était ici en Haïti. Le USA a encouragé au tuer cochon créole sous le gouvernement de Jean-Claude Duvalier en 1983. Là, il a bail 40 pour gros, 20 pour moyenne, 5 pour petit. Mais pour prix, M. Lamor Sanjou bail pour chaque ressortissant, gros même prix, petit même prix, puisque dans le mi-temps, il y a 7 femmes. Yon bébé 2 ans qui fait partie de 17 otages qui nan men Baz 400 Marozo sans aucun monde pa lever voix yo pour dire et interprète yo. Chauffeur tap conduit machine l'autre haïtien yo pour qui ça? Yo pa cité combien l'autre ressortissant haïtien combien citoyen haïtien qui nan men monsieur Baz 400 Marozo yo. Alors ça c'est gros détail ça yo. Aucune gros autorité dans l'État haïtien pour qu'on ka fait gros déclaration, mais n'a pas rappelé pour nous dire que Dominicain, Français, Italien, pour nous citer ça, yo, passé à l'Église protestante, l'Église catholique, prêtre, vaudou, à tomber dans chef franc-maçon, tout déjà connaît qui ça, qui gagne lorsque yo enlevé ou, et puis mette ou dans cachot. Côté pour qu'on est, sous pas de consacrer la misère, pour aller faire stage, comment la misère pas douce, surtout dans l'enfer à ciel ouvert, pays d'Haïti, qui vient tête coupée à une république dirigée par des civils armés que société a même mis dans la liste gangster, pour ne citer sa souple. 17 octobre 2020. 17 octobre 2020, excusez-nous, 17 octobre 2021, qui t'a fait Jean-Jacques Dessalines le Grand, empereur, qui t'a mené bataille pour te mettre Haïti, côté le rivet, journée aujourd'hui, pour te bailler liberté avec esclavio, et faire Haïti vignon pays, libé, et bailler indépendance non seulement Haïti, avec reste monde blanc. Et c'est sous dos Haïti, continent américain lui-même, li ka gen 34 pays là-dedans qui membre ya. Et c'est sous dos Haïti, si ou ka parler de tiers monde, révolution que t'es faite dans Bandung, c'est Haïti qui lui-même t'es tracé chimé liberté avant Nations Unies t'es arrivé aboli l'esclavage. Empereur Jean-Jacques Dessalines, li t'es joué un assassinat 2 ans après que le tap fin dirige pays ça. Année 2021, il manquait assassinat un autre président élu par le peuple, qui c'est Jovenel Moïse, qui a eu une résistance farouche, parti politique en face li, société civile, secteur privé. Et c'est en dans même année ça, 215e anniversaire, commémoration de la mort Jean-Jacques Dessalines, qui semblait tout enterré. L'État haïtien. C'est date côté enterrement l'État chanté sans paix savane ni pasteur. Depuis après 17 octobre 2018, côté président Jovenel Moïse, avec toutes deux branches dans le Parlement, nous voulons parler de branche sénateur et branche député, à tomber avec ancien DG police nationale. Pour ne pas même parler de cabinet ministériel, li, en présence députés et sénateurs, la police nationale, tout corps confondu, président Jovenel Moïse est arrivé à déposer Jeb Fleur, mais il n'a pas de chance pour le marcher correctement pour le monter machine. Li. C'était en bas de roche, cartouche à gros courri pour le gagner par le national.
toute sécurité, te dit pied ça me démange me bat bon. Depuis là ça, Dessalines pas jamais qu'a joué une visite un chef d'état. Jouk vient gain assassinat chef d'état dans Pèlerin 5. Yon zone qui vient faire l'histoire. 17 octobre 2021, PM Ariel Henry te manche kanson nan taili pour te plonger droit pont rouge pour t'al déposer jet de fleurs nan pied Jean-Jacques Dessalines. PM Ariel Henry te seulement ap gade pont rouge même Jean ak Moïse, mais PM nan pat gen chance pour te rive pont rouge. L'ital remisel nan lokal Simoa nan Delma 2. Le yon déclenchement katouche te savi comme koral pour chanter entèman Haïti te vin empêche le traverser devant circulation pour le rive pont rouge. Nan tèt chaud, monsieur yo te wè se akayen pour yal depose jèm fleya pendant katouche tap chante yo même yo te an nan lokal Simoa. C'est après yo vinn songe Mupana c'est sous chan mas lié parce que te bli adresse Mupana katouche te fè yo égaré. C'est là ça yo te décidé à le déposer jèm fleur là nan Mupana. Yo vinn mette tête nan Mupana et c'est là ou capable di c'est là capable di cérémonie en lui-même li te prend fin. Pendant monsieur mette tête Mupana, yon manifestation en pile moun de la dan ak mayo sou yo, noir et blanc. Dimi Cherizier alias Barbecue te nan tête manifestation an. Devant mayo ki te sou manifestant yo, te écrit justice pour Jovenel Moïse. Avec photo Jovenel et nan doa se photo Dessalines, yo tap mande justice pour Dessalines et se même manifestant sa yo. Certains nan yo ki se des hommes armés te rive devant pont rouge pour t'al déposer jet de fleurs pour Dessalines. Après l'an mort Jovenel Moïse, yon type de manifestation qu'on s'était organisé pour t'al déposer un jet de fleurs nan non Dessalines, nan non Jovenel Moïse sous tombe Dessalines. C'est comme ça 17 octobre 2021, li tout marqué funérailles l'état haïtien qui transformé en défunt. L'État haïtien qui passait de phase moribond à défunt l'État. C'est avec infiniment de peine, triste nouvelle pour moun ap assister l'État qui lui-même tout enterré tête li dans Delma 2. Côté yon tal rive déposer jèm fleur pour Dessalines dans Mupana. Civil armé te servi, yo même civil armé. C'est yo même qui t'a déposé jet fleur pour Dessalines. Nan date Dessalines t'est mouri et pour joindre étranger exam tant que FBI t'a entré sous territoire national pays d'Haïti jou empereur t'est mouri. Ça qui pral faire en pile de l'eau a couler dans yeux Dessalines. Si yon moun pa ta accepté que funérailles l'état haïtien chanté bien que c'est pas république là nous perdu. C'est pas drapeau à nous perdu. Si gon ti bagay ki rete dans l'état, nous poko wèl. Funérailles l'état chanté dans local 6 Modèlma 2. Et l'état haïtien enterré dans Mupana. Jour qui était 17 octobre 2021. En présence tout gros bab dans l'état. Condoléances pour Ariel Henry qui t'a presque semblé à un ex-PM. Condoléances pour Léon Charles qui t'a semblé à un ex-DG Police Nationale. Condoléances pour ministre Défense, ministre Intérieur, ministre et monsieur ancien opposition. Condoléances pour ex-CEP. Condoléances pour GNB et RPK, mélangé avec groupe 184, l'Église, étudiants, société civile, parlement, mouvement paysan, OP. Condoléances pour parti politique yo. Que nom monsieur sa yo qui mette Haïti dans sa lié là pas jamais reposer en paix.
jouk, ti res ki rete, ki va pren konsyans, ke jodi a, se nou pou mete tèt ansanm pou nou fè sove le peu ki reste a sove na fèl. Pendant jou de Saline mouri a, sol la suye par de zom FBI ak zamamen. Vwa pam se Lalan Fritz, yon Haïtien ki vekse. L'autre point nan aktualite a, se grev la. Grève lancée tout de suite après 17 octobre, mais n'a pas rappelé que mois d'octobre là sont mois fatigants pour prouver que président Jovenel Moïse te dit si me démissionner et moun pamyo qui ça n'a pas yo. Est-ce que ça a passé dans problème insécurité à ces moun pal yo k'ap fè? Personne pas capable d'évaluer qui est-ce qui k'ap fè et pas fè. Mais ce qui est certain, depuis le 1er octobre, l'Église a lancé grève parce que y a un pasteur, diacre, qui est même victime. Et ceci a commencé victime depuis avant l'an mort de Jovenel Moïse. Je dis à ce syndicat chauffeur qui, après tout ça, Matissan fin fait. Matissan s'est passé depuis 11 octobre, arrivé dimanche 17 octobre, pas jamais chômé. Nan enlevé moun. Samedi les moun te comprendre. Pas de gen rien que te fait nan Matissan. Pourtant monsieur yo te chita prend jeune fille, faire rentrer dans impasse coucher yo. Grève te lancé par syndicat yo, yon grève manche long. Et grève ça, li rive respecté dans plusieurs départements géographiques pays d'Haïti. Côté où te senti gen volonté te manifester pendant te toujours connait. Bien deux zones qui pas pas l'autre tête yo, chaque moun gère frustration Jean Paro. Grève là, li poko levé. Organisateur yo reconnaître et présenter yo bien bas devant courage peuple haïtien pour Jean yo respecter grève là pour lutter contre insécurité. Grève là, l'a continué. Pap gen kanpe pou li pou journée mardi 19 octobre 2021. Grève la li en continuité. Yo toujours mandé avec ou même qui connaît insécurité, problème gaz ak la viche pour rete chita la kayou. Pour deuxième journée grève la qui c'est mardi 19 octobre 2021. Grève 18 octobre la te respecté dans plusieurs départements. Le sud te bloqué tête li nan Kafou 4 chemin passé mais prend pour salut. Jacques Mel sud-est, ti mari pat monte, ti mari pat descend. Pour département Nip, Miragouane, Fondeneg pat joué. Pour Port-au-Prince, Pétionville, Delma, Port-au-Prince, Carrefour, Croix des Bouquets, côté sa yo même situation an, pat gagné en pile barricade. Pourquoi des bouquets? Pour Delma, pas de trop gros barricade. Pétionville, pas de en pile barricade. Pour ta dire, c'est un lock. Mais quand même, tu as quelques dérapages, mais grève là, li te respecté dans le département de l'Ouest. Bien que dans la zone qui aux environs de l'Ouest là, l'autre commune qui part dans la zone métropolitaine, circulation est au ralenti. Alors, deuxième journée grève là, li lancé. Banque, l'école, commerce, pas de fonctionner. Yo pas de fonctionner. En pile monde te essayer river pour ouais, si yo t'arrivé dans parc industriel, deux parcs industriels qui gagnent dans département l'Ouest pour ouais si yo t'al travail. Mais responsable yo pas di yo pas vinn travail, mais responsable yo majorité nan yo pas déplacé. La police te gagne un comportement. Gen de barricade si la police rive devant li mande passage pa balil li pa fè force. Mais n'a rappelé pour nous dit Haïti pa gen problème gaz, pénurie gaz. C'est vrai gen camion citerne qui détourné. Mais nan volonté propriétaire station d'essence pa gen volonté pour bay gaz. Gen yon machine qui brûlé dans département sud-est nan nuit 17 pour 18, c'est un chauffeur qui
et qui a ouvert barricade pour le passer. Et puis, incident ça a produit, il a perdu la machine. Il a passé la machine en bas du feu. Alors, il y a gaz, il y a sécurité, mais lorsque la station d'essence a eu un gaz là, c'est eux-mêmes encore qui va venir en détail. Il y a un gallon gaz passé de 100, 150 à même pour 1000 gouttes. Et il y a d'autres stations d'essence qui ont caché dans le garage qui a fait marché noir avec le gaz là. Ministre commerce là, t'a déclaré, il y a un cargaison gaz qui va venir, problème n'a pas résoudre. Problème n'est pas problème gaz, il y a un problème insécurité. Il y a trois monde qui victimes dans Rosenberg. Et sorti samedi, arrivé dimanche soir, plusieurs et trois maisons, et gon moun ki l'hôpital, à cause civil armé, fan tête à coup de fait, après monsieur t'a menacé tirer, zam yo te bloqué. Voix pam, c'est la Lalanne Fritz, depuis Port-au-Prince, qui t'a informé au proche PM. Au revoir.